Zombie apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Juste avant de tourner l'épisode, là, je me suis permise d'aller au camp, de refaire le plein des potions parce qu'il en manquait une grenade, de reposer tout le monde. Et j'ai fait quoi d'autre? Ah si, j'ai donné les attributions à tout le monde. Vous savez, les attributs, j'en avais deux pour Serra, deux pour Senna, deux pour je sais plus qui. Enfin, ouais. Voilà. Bon bref, j'ai donné à tout le monde. Je vais juste sauvegarder. J'ai oublié de le faire. Je vais juste sauvegarder vite fait. Et comme ça, si je remeurs, au moins, on sera pas entre guillemets emmerdé dans le sens où j'aurais déjà fait tout ça. Mais du coup, il n'y aura plus qu'à. Alors. Donc, on n'a plus qu'à retourner à la faille. Cette fameuse faille qui nous cassait les bonbons. Qui nous a vraiment cassé les bonbons la dernière fois. Donc, là, on va essayer de faire vraiment. Putain. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Retrait, on va pas perdre de la vie pour ça, certainement pas. On va essayer d'aller le plus rapidement possible à la faille. Bon, je vais vite passer par la flotte, c'est pareil, parce que la flotte c'est là où il y a le plus d'ennemis. Donc on va éviter. Et puis voilà. Normalement je suis pas loin. Hop. Bon pareil, retrait. Tous derrière, c'est cool. Donc dernière fois on était passé par là et je crois qu'on était par là-bas, quelque part par là-bas où il y avait le camp là qu'on a réparé cette dernière fois. Donc voilà, la fameuse faille, on la retrouve, il n'y a pas de problème. Alors moi je vais directement mettre Serra là avec Blackwall. Et puis moi je vais attaquer le reste. Ouais. Allez. Perturbe un petit peu. Donc maintenant Dorian a la possibilité, quand on tue un ennemi, de le faire réapparaître en esprit pour qu'il combatte à notre côté. Je trouve ça vraiment bien comme un truc. Allez, vas-y, rapide. Ah, dommage. Allez. Allez. Il nous reste plus qui là. Allez, on est très très bien. Je sais pas si vous voyez, mais on est très 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 bien. On dit potion. Voilà. Ah ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, comme quoi, vraiment, d'améliorer les attributs des personnages, surtout Dorian qui en avait 11, ça a vraiment son effet. Hein. Faut vraiment, c'est vraiment un truc qu'il faut pas que j'oublie de faire, parce que... Bah voilà, on voit quand même la différence directement. Quoi. Alors là, nous avons quoi? Un cerveau. Ok. Là, nous avons... Alors, le casque du revenant. Ok. Merde. Je vais voir vite fait dans l'inventaire. Objet de valeur, au pire, je vais peut-être virer quelque chose. Ouais, tout ça, en fait, c'est pour... Bon, pas tout ça, mais... La plupart... Donc là, déjà, je peux détruire ça. D'accord, j'ai détruit les deux. D'accord, ok, je vais en détruire qu'un. C'est pas grave, tant pis. Hop.
Et du coup, on peut revendiquer là. L'odeur de forêt mouillée telle qu'elle emmasquerait presque les relents fétides du bourbier. Presque. Et du coup, faut qu'on trouve Weirdis. Widris. Donc, on va essayer de chercher Weirdis. Pierre Estival, tiens. Là, on prend. Et il en faut 20. D'accord, bah écoutez, on va faire ça. En même temps, s'il y en a plein partout, autant le faire. Alors, je vais vraiment passer aux alentours de. Voilà, de la, du mur. Là, pour vraiment trouver au maximum. Hop. Je vais juste continuer un petit peu. Là. Ah non, c'est du vitrol. D'accord, tant pour moi. Bon, bah dans ce cas-là, je vais partir. Partir par là. Donc là, nous avons. Je suis sûr que c'est du vitrol. Ah, même pas. Même pas, je pense pour moi. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite... découvrir le campement caché de la prostate. Donc si c'est un campement caché, peut-être qu'on peut retrouver notre ami, quoi. Ouais. Comme on dit, ça mange plein la gueule, hein, ma fille. Elle est rendue où? Ok, c'est bon. C'est bon ou pas? Presque bon. Presque bon. Alors du coup... putain, pas mal de choses. Armure du mage. Entraînement humain, condition mage niveau 10. Il est combien, Dorian? Dorian, t'es combien? Dorian, quel niveau es-tu? Niveau 9. Ah putain. C'est vraiment dommage. Bon, on va encore faire un peu de tri. Putain, ça me prend la tête, sérieusement, à force. Ah, tant pis, hein. Écoutez. C'est quoi ça? Ouais. Bon, ça, je peux détruire aussi. Hop. Ok. Pour point d'avant-garde, on a dit qu'on n'en voulait pas. Et personne n'en veut. Donc, du coup, je vais le détruire. Donc, ça nous fait deux places. Bâton de feu. Lame de bâton d'enchanteur supérieur. Là, il y a quoi? Là, j'ai juste un truc activé. C'est la même chose en fait. Je suis dans une belle merde, moi je vous le dis. Hein. Franchement. Putain, c'est pas ça que je voulais faire.
que là c'est pas, j'ai deux brise roche, brise roche, non. Bon, je vais peut-être pouvoir en détruire un. Seigneur anti-vent. T'as quoi actuellement toi? T'as ça et ça. Ça c'est quoi, condition être voleur de niveau 7? Donc on peut le détruire. Ça nous fait encore deux places. On va faire ça. Ah, c'est pas simple, hein, moi je vous le dis. Inventaire, je suis encore chargé comme une. Ok. Bon, il reste un truc dedans, mais tant pis, hein, je viens de dire. Voilà quoi. Il y a un moment de temps, je vais pas avoir le choix. Il va falloir vraiment que j'aille vendre, quoi, parce que j'en parle très très souvent. Mais à chaque fois, je sais pas, j'y pense en début de gameplay, mais après, j'y pense plus. Elfe nain ou humain de niveau 8. Ça serait pareil, ça serait pas mal. Bon, inventaire, arme, hache de guerre dentée. Hache de guerre dentée. Et bon, on va la détruire. Voilà, fouiller. On prend. Inventaire. Armure. Ça serait pour Dorian, après. Hache de mage des gardes. Et ben voilà. Et je vais détruire ça, c'est pas grave. Puis voilà, c'est pas mal. Voilà, on a les 20 pierres, les 20 pierres, les 10 vitroles bleues. Nickel. Hop, on va en reprendre plus, hein, des fois qu'on aurait besoin ailleurs. Pas des choses perdues entre guillemets, donc. Ok, on va monter. Donc là je vois que j'ai des ennemis. Allez, hop là. Ça c'est bon. Puis là j'ai plus. Garde des quêtes. Du coup. Le bourbier, âme perdue. Les secrets du bourbier. Fanneau allumé. Pierre estivale. Ok, ouais, je vais mettre ça en pif. Ok. Allez, hop, 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 et c'est réglé. Bon, on va pas passer 3 heures dessus non plus, hein, vous en occupez, parce que bon, c'est bon. Pas que j'en ai marre, mais un peu, c'est là. Et vainquer les démons, ça existe ça? Allumer les fanaux et vainquer. J'aurais pu se mettre et aller vaincre, quoi. Quelque chose comme ça, quoi, parce que vainquer, ça me... Je sais pas, ça me choque, en fait. C'est bête, mais... Je sais pas. Dis-moi par commentaire. Mais... vainquer, ouais, je sais pas, ça me perturbe, le mot vainquer, quand même. Enfin, bref. On n'est pas là pour ça, comme on dit, hein. C'est pas par là... Hop. La dernière fois, on est déjà passé par là, il me semble. Allez. Je vous laisse le faire, les gars. La flemme. Thank you.
barrage. Alors là, j'ai un mètre qui vibre, donc il y a quelque chose à récupérer. Alors, du coup, c'est par là. Ok. C'est par là toujours. Ok, donc ça va être juste là. Clé de la cabane. Déverrouiller la cabane. Ok. Putain. La cabane, c'est dans quelle cabane? Je peux voir le journal des quêtes, hein, si je l'ai des fois, si jamais. Ok. Ok, donc, tout se passe bien. Hop. Ok. Journal. Voilà. Pourquoi s'embêter? Donc du coup, ce serait la cabane qui serait là-bas. Voilà. Donc j'espère qu'il y a de belles choses à récupérer, mais en même temps, j'espère qu'il n'y en a pas trop. Parce que évidemment, j'ai toujours la même merde. Hein. Alors, ouvrir. Prendre. Donc, je vous laisse là le journal. Voilà. Ensuite, là. Épine de dragon. Arc de chasseur d'Altania. Inutilisable par Varric. Condition être voleur de niveau 6. Et franchement, vous pouvez pas me couvrir, les gars, parce que là. Serra. Arme. Ça continue de dégâts. Ok. Et l'autre a fait 57 de dégâts. Mais elle a quand même beaucoup plus de choses. Donc du coup, ce que je vais faire. Inventaire. Arme. Serra. Merde. Serra. Détruire. Bon, au pire, je vais détruire celui-là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir prendre celui-là. Du coup, je vais pouvoir prendre l'inventaire. Je vais pouvoir prendre Serra. Je vais pouvoir comparer. Et il n'y a pas photo. Voilà. Ok, on est reparti. Hop. Bon, c'est tout ce qu'il y a. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Dorian, si tu aurais l'invité de te pousser, ce serait génial. Merci Dorian. Attends, vous pouvez-vous m'en occuper deux secondes, tant que je regarde vite fait. Bourbier. Hop. Voilà, ça c'est fait. Donc je suppose que c'est là. Ni plus ni moins. Alors. J'ai juste une question, Serra. Vous vous coupez les cheveux vous-même? Bien sûr. Pourquoi? Vous devriez essayer d'utiliser autre chose qu'un vieux couteau à beurre rouillé. Ah, excusez-moi. La prochaine fois, je sortirai mon coupe-tif ajusté de diamant. Je laisse lire. Le mot que vous cherchez, c'est ciseaux.
peux pas mettre comme je veux. On mettra pour ça. Là, je vois rien. Là, je vois pas du tout où je suis rendu, c'est affreux. Voilà. Je suis paumé. Et véritablement pour moi. Et c'est bon, je crois, non? Non, pas très bien. Ok. Ok, c'est bon. Voilà. La voie est maintenant libre jusqu'à la côte. Plus de mort. Bonne stratégie. Ok. Alors, plus personne n'a de bouclier, ça fait grave. Ça me saoule, hein, franchement. Arc long ornementé, 72 de dégâts. Inutilisable par Eric. Ouais, bah tant pis, hein. Le jeu 10 de plus. Hein, voilà quoi. Bon, bah voilà. On a plus qu'à aller là-bas. Par contre, elle est là-bas sans vie. Je pense que ça va être très sympa. Hop. Tu l'as là ou pas? Hop, attaquer ma cible. Voilà, et moi je file. Ok. Merde. Retrait. Retrait et suivez-moi. Alors, putain, les chaînes sont immenses, hein, ça. Encore des morts-vivants. Ne perdez pas de temps avec eux. Rentrez au château. Ok, bon, moi je fais ce qu'il me dit, hein. J'ouvre les portes. Attendez. J'ouvre les portes. Porte. Oh putain. Encore plein de choses à récupérer, ça. Je pense que je vais arrêter de fouiller les coffres. Et éviter de me faire des conneries aussi, ça peut pas être mal. Et essayer de revenir plus tard. Plus tard quand je serai un peu moins pleine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi je pense que c'est la bonne idée.
revenir plus tard, ouais, quand je serai moins pleine, et du coup refaire tous les coffres. Puis je le ferai pas en gameplay, quoi, je le ferai moi-même de mon côté, quoi. Je sais pas, je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Bon, après, comme on dit, à voir, mais... Ah, et hop, ça c'est fait. Ok, ensuite. Vainquer, oui, c'est marqué aussi vainquer le chef des alphas. Des alphas. Affrontez-moi. Je suis l'homme de main de corde en personne. Attaquer massif. Du coup, on va lancer un petit truc qui brûle. Hein. Oh putain, aïe, c'est réglé. Allez. Oh putain, on est mal. Ok, on est très mal. Ok, en même temps, on a plus de vie. Alors, est-ce qu'il serait sage de revenir je vais regarder la carte. Est-ce qu'on peut faire un déplacement rapide, par exemple, là? Oui. Du coup, on va revenir là. On va se reposer. Je vais faire un déplacement rapide ensuite jusqu'au l'autre truc. Voilà. Jusqu'à là. Et voilà. Et puis nous, on va se laisser là. Comme ça, le prochain coup, moi, je vais avancer toute seule pour retourner où qu'on est. Où qu'est le boss, hein, tout simplement, le chef des Alvars. Et on se retrouve du coup dès demain pour la mission vainquer le chef des Alphas. Oui, ça me choque, excusez-moi. C'est comme ça. Allez, je vous dis à bientôt les gamers. Bonne soirée à tous.